Les membres du cadre de concertation pour le développement de la localité de Ngoura et ceux des 47 villages adhèrent entièrement au programme politique du gouvernement. La nouvelle loi constitutionnelle, résultat des résolutions du Forum national inclusif, est en phase de vulgarisation à l'endroit des populations de ces différentes localités. À travers un grand meeting animé à Ngoura, dans la région de Hadjar Lamiss, les membres du dit cadre de concertation sollicitent la contribution et la forte participation de l'ensemble de la population à accompagner les plus hautes instances du pays dans cette nouvelle vision du développement du Tchad. Ngoura aspire à un développement socio-économique par la réalisation des infrastructures éducatives, sanitaires, et une ambulance pour l'évacuation des patients. Prennent part à cette rencontre de vulgarisation des acquis du Forum national inclusif, les autorités administratives, civiles, militaires et les représentants des partis politiques, les chefs traditionnels et coutumiers et les responsables des associations de la société civile. Cette marque de solidarité témoigne la volonté de cette politique en faveur des autorités du pays visant à faire du Tchad un État prospère.